Salut, 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 salut le Mali, salut la diaspora malienne. Je dirais bonsoir et bonjour à la France. Il n'y a pas de diaspora française. La fierté de l'Afrique, la France. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à la France par rapport à certains misérables, des enfants d'esclaves, des incapables, des maudits qui résident en France là-bas. Je vais m'adresser à ces bandes de maudits, à ces bandes de fainéants qui, leurs mamans, sont en train de traîner dans les rues de l'Afrique, chercher à manger. Ces bâtards-là sont sur le sol français, soi-disant panafricains, avec leur tricolore vert, jaune, rouge de la honte, une couleur choisie par la France pour leur pays. Ces maudits-là sont sur le sol français. J'interpelle l'immigration, j'interpelle le gouvernement français. Ces maudits-là viennent sortir pour marcher samedi, je crois, si je ne me trompe pas. Mais ils vont parler eux-mêmes tout à l'heure. Je voudrais que l'autorité, les autorités françaises essayent un peu de prendre un peu de conscience et de lutter contre ces faux panafricains vivant sur le sol français. Je voudrais que ces gens-là soient rapatriés immédiatement. Vous allez les entendre vous-même. Si la France a de la dignité, ces gens-là, s'ils marchent sur le sol français contre ceux qui sont en train de se battre pour la démocratie en Afrique, si les Français ne ramènent pas ces gens-là chez eux, c'est pas la peine. Trop, c'est trop. Ils sont en train de dépasser les limites. Donc, j'interpelle le gouvernement français à réagir rapidement pour arrêter ces maudits Africains noirs et gris qui sont en France là-bas. Leurs mamans sont en train de traîner en Afrique. Leurs mamans ne savent même pas comment faire du savon. Ils ne savent même pas comment fabriquer du savon. Leurs mamans ne savent même pas comment préparer une sauce. Ce sont ces maudits-là qui sont dehors, soi-disant panafricains, contre la France, traitant la France d'impérialiste, de néocolonialiste. Ils sont sur le sol français. Et gare à la France, si la France ne sort pas, interpeller ces gens-là, ces maudits esclaves de l'Afrique qui sont sur le sol français-là, et les envoyer en Afrique. C'est ça, on va travailler d'ici tout à l'heure. Personne ne va commenter, ça c'est très clair. Attends, j'enlève ça. Leur maman ne savent même pas. Ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. J'ai vu ça étant au boulot tout à l'heure. Je suis venu à la maison pour ça. Uniquement pour ça. Ensemble, on n'a qu'à écouter les maudits Africains là qui sont en France. On n'a qu'à les écouter. Peuple africain, c'est les panafricanistes du terrain, PDT. Encore une fois, nous sommes réunis pour appeler à la mobilisation générale. C'est samedi 5 août 2023. Nous nous rencontrons à la place de la République. Nous allons marcher jusqu'au palais de l'Élysée. Nous partons de la République à 13h. Nous appelons toute la diaspora africaine et panafricaniste qui se trouve ici en Île-de-France et précisément à Paris. Nous allons marcher parce qu'actuellement au Niger, les choses sont en train de bouger. Actuellement au Mali, les frontières sont en train d'être repoussées. Au Burkina Faso, au Guinée et surtout au Sénégal où Macky Sall est en train de jouer au malin. Il fait les malins et la population, le peuple sénégalais a besoin d'être dans la rue pour mettre hors des temps de nuire cet avatar agent de l'impérialisme qui veut donner encore la survie à l'occupation internationale de la communauté internationale, l'occupation du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'Afrique. Ces combats, c'est le combat de ton fils, c'est le combat de ton père, c'est surtout le combat de nos enfants. Et si nous ne faisons pas l'essentiel aujourd'hui, demain, nos enfants vont continuer à vivre dans l'esclavage spirituel et physique que nous connaissons. Voilà pourquoi la mobilisation doit être tous azimuts. Niger, Burkina Faso, RDC, Congo Foa, Sénégal, Mali, Guinée, Tchad, Rwanda, Angola, toute l'Afrique doit être dans la rue pour mettre hors d'état de nuire ces avatars impérialistes qui veulent encore entretenir la soumission de notre continent. Ingeta, Ingeta, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons. L'Afrique ou la mort, nous vaincrons. C'est bon. Sur le sol français, cela est en train de se passer. Ça, c'est une insulte, même contre l'humanité. Pas seulement contre la France.
C'est sur le sol français que cela est en train de se passer. Attendez-moi. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas. Ça, c'est très grave. Hein? Ça, c'est très grave. Ça se passe sur le sol français. Yeah. Regardez très bien ces bandes d'ignorants. Regardez ces maudits-là, ces maniaques. Étant en France, ils parlent de panafricanisme. Pourquoi vous ne retournez pas chez vous? Chacun d'entre vous sur ces photos, cette photo-là, pourquoi vous ne retournez pas chez vous? Vos parents sont en train de souffrir en Afrique. Vos mamans sont en train de se vendre pour survivre. Mon cher, toi qui parles là, ta mère est en train de se vendre sous son pain. Ta mère, elle est en train de coucher avec les chiens de la rue de l'Afrique pour se prendre en charge. Toi, tu es en France, incapable, malade, maniaque, mentalement malade, pourri jusqu'au cerveau. C'est lui qui appelle. Allah Dukra, je vous en prie. Je vous en prie, vous qui vivez sur le sol français là, si cette merde ne vous agace pas, je vous en prie, faites à cause de Dieu et pour nous. Il faut montrer leurs vidéos aux autorités françaises. Je veux voir avec quelle autorisation ces maudits malades mentaux là, pendant que leurs mamans sont en train de souffrir. Souffrir en Afrique. Leurs mamans sont en train de se vendre en Afrique. Et ils sont là en train de parler de panafricanisme. Étant sur le sol français. Insulter Macky Sall. Eh Allah. Non, l'Afrique fait pitié. L'Afrique, pour l'Afrique, c'est très grave. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ah non, non, non. Et on accepte ça sur le sol français. Les Français qui vont s'asseoir et regarder ça, ils n'agissent pas. Je ne sais pas quoi d'autre ils veulent. Si ça dépasse cette limite-là, ils vont commencer à tuer les Français qui marchent dans les rues en Afrique. Avant qu'on en arrive là, la France doit prendre des dispositions contre ces fils d'esclaves-là qui sont en France là-bas. Pardon, la France, réveillez-vous. Réveillez-vous. Non, nous m'en ferons tout ce casier. Ça, c'est des Africains. Ça, c'est des Africains qui sont en France, qui veulent marcher samedi 5 août 2023 de la place de la Liberté ou je ne sais quoi, juste sur les Champs-Élysées. Un bâtard comme toi, qui va te suivre? Toi, avec ces filles de pute là. Avec... Eh, Dieu! Eh, Allah! Si. Eh hey Dieu! Moi, je ne sais même pas qui est quoi. Non, il faut que je juge ça encore pour qu'on puisse regarder ensemble. Et puis, on va décortiquer. Non, 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 non. Ça, c'est très grave. Écoutez encore. Écoutez. Les Africains, c'est les panafricanistes du terrain, PDT. Encore une fois, nous sommes réunis pour appeler à la mobilisation générale. C'est samedi 5 août 2023, nous nous rencontrons à la place de la République. Nous allons marcher jusqu'au palais de l'Élysée. Nous partons de la République. Vous qui, les misérables, vos mamans sont en train de se vendre en Afrique pour survivre. Vous êtes en France, vous vivez... Mais c'est très simple, pourquoi vous ne quittez pas la France tout simplement et allez mener cette lutte-là en Afrique? Pourquoi? Vous n'avez même pas... Votre maman, vos mamans, vous tous, vos mamans n'ont même pas de savon en Afrique pour laver leur pain. Toi, personnellement, toi-même, spécialement qui parle là, ta mère est en train de se vendre pour avoir son petit déjeuner. C'est toi qui viens t'asseoir en France, tu parles de ça? Nous, on vous attend samedi, on va voir. Si la France ne vous rapatrie pas, c'est que ce n'est pas la peine pour la France. Si vous marchez avec ces slogans en France et que vous ne partez pas en prison,
et pour vous rapatrier dans vos pays de merde là, dans vos pays de pauvres là, c'est que c'est pas la peine pour la France. Je ne sais pas qu'est-ce que la France est en train de laisser couler sur son sol. Des fils d'esclaves, des fils de pauvres, d'incapables, qui vivent aux dépens de la France et vous insultent sur le sol français. Et que la France accepte ça. Ah, Dieu! C'est pas... Moi, je ne dirais pas que la France n'est pas un pays de je ne sais quoi. Mais cette fois-ci, si cela arrive et que la France ne puisse se déplacer et faire quoi que ce soit par rapport à ça, c'est pas la peine pour la France. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On ne doit plus parler de la France. On doit se méfier de la France. Si ces maudits malheureux, si ces fils d'esclaves-là arrivent à marcher en Afrique, en France là-bas, contre l'impérialisme, ils disent, c'est que c'est pas la peine pour la France. Écoutez ce bâtard, c'est qu'il a dit. Nous appelons toute la diaspora africaine et panafricaniste qui se trouve ici en Île-de-France et précisément à Paris. Nous allons marcher parce qu'actuellement au Niger, les choses sont en train de bouger. Actuellement au... Marinda Dukabel, je vais baiser ta mère avec ma langue. Tu sais ce que ça veut dire? Miba Bie Bousson, je vais baiser ta mère avec mon caca. Toi là, le fils d'esclave, le bâtard là. Toi, tu vis en Europe, au dépens de l'Europe. Mais vous, vous voulez marcher contre l'Europe. Voici son profil. Ceux qui le connaissent là, donnez ça à l'autorité du pays dans lequel il vit en Europe actuellement. Pour qu'on le dégage de l'Europe. Un autre bâtard de l'Europe. Regardez ces noirs babiers là. Regardez ces bâtards là. Non, mais c'est très grave. Qu'est-ce qui arrive quoi? Regardez ce fils d'esclave. Regardez ce bâtard de Marinda là. Toi aussi, tu veux faire quelque chose sur ma page? Tu penses que tu peux faire quelque chose sur ma page? Un fils de maudit bâtard avec les mains levées en l'air. Regardez ce fils de pute. Debout et les mains en l'air. Et ils vivent en France. Ces maudits là vivent en France. Aya ka muso ba bien sigile naje. Aya ni ba bien fantande naje. Non, mais c'est pas la peine quoi. Aya ni din ba bien naje, din che du goudé naje. Mon cher. Aya ni naje ko Marinda, e ba bien, ibe munyine ne ka page ko no. Ni ini muso mflenga mpolo do a ba bien o la sasa. E ka ni muso che du goudé naje. Aya ni ba bien naje quoi. Et regardez ce ba bien là dans mon direct. Marinda ni seront bi ba bien fara quoi. Aya dama ko ne côté. Aya ni ba bien naje. Ini muso mfle nyon kere fo fena nyon ba bien té quoi. O som ko be ba bien o de wardé o. Sino mo ko ba dendi en nyon ba bien ma. Jom dini. E bi ba bien ta ka bonne ka direct ko no. Ni ma bon bi ba bien fara ni mbolo. A ka page de flène ni ba bien naje. Ni ma bon a page ko no bi ba bien chi. Ote dikatel mama yo oui ba bien yi ko dikatel ba bien yi jo ngani ba bien la bon adresse ko nore ni ma bon adresse ko non bi ba bien sauté tout de suite. Non, c'est très grave, c'est très grave. Qu'est-ce qui arrive à notre continent? C'est très grave ce qui arrive, ce qui est en train d'arriver en France. C'est très grave. La France est devenue trop perméable. Trop perméable. La France doit dégager ces bâtards-là de la France. Jetez-les dehors. Jetez ces maudits Africains-là dehors de votre pays. C'est moi qui le dis. Il faut jeter ces panafricains-là. Regardez ces bâtards. Les frontières sont en train d'être repoussées au Burkina Faso, au Guinée et surtout au Sénégal où Macky Sall est en train de jouer aux malins. Il fait les malins et la population, le peuple sénégalais a besoin d'être dans la rue pour mettre hors des temps de nuire cet avatar agent de l'impérialisme qui veut donner encore... Agent de l'impérialisme, un babier comme toi, un fils de maudit, un... Alors, il crée d'autres, je vais te faire quoi. Là, il a... La France ne doit pas permettre... Des immigrants la survie à l'occupation internationale de la communauté internationale, l'occupation du Conseil des...
Toi, ton maudit pays là même qui vit sous vergène rouge donnée par la France. Vergène rouge, le drapeau de la honte, le drapeau de l'esclavage. Vous vivez sur ça, sous ça en Afrique. Et vous voulez nier ça? Nous sommes des esclaves, fiers d'être esclaves de l'impérialisme. Vive l'impérialisme. Vive le néocolonialisme. Abat les Africains ingrats. Abat les Africains incapables qui vivent en France et qui ne peuvent pas se prendre en charge. Un bas bien comme ça là. Vous, vous êtes des fils de maudits. Sécurité des Nations Unies sur l'Afrique. Ces combats, c'est le combat de ton fils. C'est le combat de ton père. C'est surtout le combat de nos enfants. Le combat de quelle Afrique? Nous, nous sommes Africains. Nous vivons ici à l'Occident. Nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Je me lève ici tout de suite. Je vais à Western Union envoyer de l'argent à des Maliens là-bas qui souffrent, qui m'entendent. Et autant de personnes comme moi, un bas bien comme vous, vous vous envoyez de l'argent en Afrique à partir de la France. Tu parles ça, tu appelles ça impérialiste encore? Ta mère essuie ses fesses avec l'argent que tu envoies de la France. Vos parents misérables là sont en train de vivre misérablement en Afrique. Le pain qu'ils mangent, c'est grâce à la France. Et vous voulez marcher de la France contre l'Afrique qui se bat pour avoir l'aide de la France? Mais vous êtes vraiment des... Vous, vous êtes des esclaves égarés, quoi. Nous, on n'est pas comme vous. Nous sommes des esclaves. Nous, nous aimons beaucoup notre France. Et nous supportons la France. On n'a rien à cirer avec des bâtards comme vous. Et on ne le ferait pas. Nous ne serons jamais comme vous. Vous êtes des lâches, vous êtes des ingrats, vous êtes des maudits. Vous n'êtes pas fait pour vivre en Afrique. Vous, normalement, la France doit vous foutre en prison et vous chasser de la France. Ah, ngati, il veut t'aider mon blabli de gorere. Sinon, il joue un gablambi, ba bien nimi ben yana tout de suite. Bi bam so bouda waraka tout de suite ka jinbere ka rono. Il veut t'aider mon flibi de gorere. Ni a flibi boule ka bode. Ni tore un bi ba bien bousson ka dima. Nous, nous, les bas bien, ça, c'est des bas bien qui sont arrêtés. Ils parlent comme ça. La France vous attend dans les rues, samedi. Je continuerai cette campagne-là jusqu'au samedi. Demain, vendredi, je ferai encore la même chose ici sur vous. Inch'Allah, je ferai la même chose, exactement la même chose sur vous. Jusqu'à ce que la France vous ramasse des rues et vous amène à la déportation. On verra. Si vous, vous marchez en France samedi, vous serez déporté. Ça, c'est très clair. Si la France permet à ces bâtards-là de marcher sans les déporter, ce n'est pas la peine pour la France. Les autorités françaises sont averties. Et ils vous traitent d'impérialistes et vous allez les permettre de marcher sur les Champs-Élysées. Moi, je vais voir ça samedi. Je vais voir leur direct. Que toute l'Afrique suive ces bâtards-là, ces maudits, ces sorciers-là, qui ont échoué en France, ils n'ont rien à faire. Et ils sortent. Vous allez faire baiser vos mamans dans les rues de la France. Samedi, Inch'Allah. Allah ka samedi, Rana. Iba vita bararo. Bye bye.